Bonjour à toutes et à tous. Dans cette huitième pratique, nous allons commencer à examiner d'une porte, d'une bascule Zika maître-esclave du type CD 4027 d'un circuit CMOS. Et nous allons prendre notre temps pour vous expliquer correctement afin de bien comprendre. Avant de commencer nos leçons d'électronique, nous tenons à vous signaler que pour un fonctionnement normal de la bascule Zika, le signal d'horloge doit être exempt de parasites et caractérisé par un temps de transition du niveau L au niveau S, inférieur à 5 microsecondes, comme par exemple celui obtenu en agissant sur le bouton P0. Contact P0 front montant sur le groupe de connecteurs ou de breakboard. Nous avons permis de condensateurs électrolytiques au tantale de 10 microfarads près du circuit intégré afin de vous montrer les parasites sur l'oscilloscope. La sonde, donc cette sonde-là, si vous préférez, amortit donc légèrement les parasites, mais on verra mieux par la suite lorsque je débrancherai la sonde. Vous voyez sur le scope un signal rectangulaire instable
aux bornes de la LED verte à l'emplacement de mon crayon noir dû au parasite, mais ceci peut entraîner des conséquences ou des dysfonctionnements si on avait plusieurs circuits numériques à alimenter. C'est pourquoi qu'on doit mettre un condensateur électrolytique au tantal près de chaque circuit intégré numérique afin d'éliminer ces derniers, à savoir les parasites. Maintenant, nous allons mettre notre schéma électrique afin de comprendre. Mais avant, je voudrais faire l'essai devant vous, de façon à voir carrément les parasites sur le scope, ou hors dehors du scope, peu importe. La LED verte doit s'éteindre, doit s'allumer en fonction de mon doigt. Là, donc, elle ne le fait pas, puisque il y a la sonde qui fait donc antiparasite. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais éteindre le scope. On verra plus clair. Je retire ma sonde. Je retire les deux fils pour éviter les courts-circuits. Vous voyez le fait d'approcher mon doigt, la LED verte, elle s'éteint ou elle clignote. Vous voyez donc par moment elle clignote, par moment elle reste allumée. J'envoie du statique sur le fil électrique, ce qui engendre un champ magnétique. Il faut savoir que lorsque les électrons parcourent un fil électrique, on envoie donc un champ électrique. Mais cependant, ces fils-là, les deux fils, même les trois fils-là, avec le fil d'alimentation, envoient automatiquement un champ électrique du ou des conducteurs. Plus le champ statique que j'envoie, et pourtant je ne touche pas les fils électriques, vous voyez, donc je déplace mon doigt, je le mets même en hauteur pour que vous puissiez voir, vous voyez le fait d'abaisser mon doigt, la LED verte s'allume, vous voyez, donc j'envoie bien du statique directement sur le circuit CMOS, ainsi que sur les fils électriques, bien sûr, qui provoque un champ électrique, comme je viens d'évoquer, mais en même temps provoque un champ électromagnétique, puisque les fils sont trop près les uns des autres. Ça forme, si vous préférez, une bobine, en quelque sorte. Donc à partir de là, systématiquement, on envoie donc un champ magnétique, et ce champ magnétique plus ce champ statique de mon corps. Il faut savoir, chaque corps humain a son propre champ statique. Je déplace mon doigt. Je replace mon doigt et vous voyez donc la LED, elle clignote ou elle s'allume carrément. Si j'approche de trop près, la LED verte, elle s'allume carrément. Si j'éloigne mon doigt, la LED verte, elle s'éteint. Je démontre bien qu'il y a donc les parasites qui arrivent. Voilà. Nous allons
examiner une bascule SDK maître esclave. Mais avant, on va mettre le schéma. On va mettre le calendrier qui permet de tenir le schéma. Et mon schéma que je viens de faire, on va essayer de ne pas tout bousculer en même temps. Je regarde dans mon viseur pour voir. Ok. Examinons une bascule SDK maître-esclave. La bascule SDK maître-esclave. Comme vous allez le voir, au cours de cette manipulation, est le type de bascule d'emploi le plus souple parmi toutes celles que vous aurez à examiner. Pour cette manipulation, vous utiliserez le circuit intégré CD4027 ou type équivalent contenant deux bascules SDK maître-esclave dont les entrées et les sorties sont raccordées aux broches selon le schéma électrique de cette même figure. Les deux bascules sont identiques et comme vous pouvez le remarquer, chacune de ces bascules a 5 entrées. Deux entrées principales J et K. Une entrée d'horloge clock. Deux entrées auxiliaires 7 et reset. SW0 correspond au fil vert. SW1 correspondant au fil jaune. SW2 correspondant au fil bleu foncé. SW3 correspondant au fil orange. Les fonctions de ces entrées seront vérifier directement par la manipulation qui va suivre. Les sorties de chaque bascule sont au nombre de 2, Q et Q bar, et elles sont
complémentaires l'une de l'autre. Q2 bar. Réalisation du circuit. Débrancher l'alimentation et enlever de la matrice tous les circuits intégrés et les liaisons relatives à l'expérience précédente. Introduisez le circuit CD4027 sur la matrice dans la position indiquée par le schéma comme indiqué sur la même figure. Et effectuer les raccordements reportés dans cette même figure. Le schéma électrique du circuit réalisé est représenté par la figure B Comme vous pouvez l'observer, les entrées J2 et K2 sont reliées respectivement à SW0 et SW1. SW0, SW1. Tandis que les entrées 7-2 et RIS-7-2 sont reliées à SW2 et SW3. SW2, SW3. Les sorties Q2 et Q-bar 2 sont reliées aux LED L0 et L1. Comme nous l'avons déjà dit, les deux bascules constituant le circuit intégré sont parfaitement identiques. L'essai de fonctionnement est limité à une seule d'entre elles. Donc toutes les brosses de la 9e à la 15e sont laissées libres. Contrôle de fonctionnement. Alimenter le circuit, une des deux LED L0 et L1 s'allume. Il n'est pas possible de prévoir laquelle des deux s'allumera, parce que cela dépend des caractéristiques physiques du circuit intégré. Commuter l'interrupteur SW2 sur la position 1. Mettant ainsi l'entrée 7-2 à l'état AS. La LED L0
relié à la sortie Q2 s'allume ou reste allumé. N0. La LED verte. Commuter l'interrupteur SW2 sur la position 1, mettant ainsi l'entrée 7-2 à l'état AS. La LED L0 reliée à la sortie Q2 s'allume ou reste allumée. Nous avons déjà répété cette phrase, mais peu importe. Remettez l'interrupteur SW2 sur la position 0, et commutez l'interrupteur SW3 sur la position 1. Appliquant de cette manière l'état AS à l'entrée reset 2. Vous observez que la LED L0 s'éteint, donc la LED verte, tandis que la LED L1 relié à la sortie Q-bar 2 s'allume, la LED rouge. Commutez plusieurs fois les interrupteurs SW2 et SW3 en prenant soin, cependant, de ne jamais les mettre tous les deux sur la position 1. Vous remarquez que chaque fois que l'interrupteur SW2 est sur la position 1, 7-2 au niveau AS, la sortie Q2 passe également au niveau AS, tandis que Q-bar 2 se porte au niveau L. Au contraire, quand SW3 est sur la position 1, reset 2, au niveau AS, la sortie Q2 passe au niveau L et Q bar 2 au niveau AS, c'est-à-dire la LED rouge. Mettez SW2 sur la position 1 7-2 à l'état AS et SW3 sur la position 0. Reset 2 à l'état L, de manière que L0 s'allume. Q
puis actionnez autant de fois que vous voulez les interrupteurs SW0, entrée J2, SW1, entrée K2, ainsi que le bouton P0, entrée clock 2. Vous constatez que l'état des sorties Q2 et Q-bar 2 ne varie pas, ce qui indique que les changements d'état des entrées JK et CLOCK ne déterminent aucun basculement de l'état des sorties. Après avoir commuté LW2 sur la position 0, Z2 à l'état L et SW3 sur la position 1, Reset 2 à l'état AS pour que L1 s'allume, c'est-à-dire la LED rouge. Refaites l'essai précédent en actionnant plusieurs fois SW0, SW1 et P0. Niveau AS au niveau 0, code binaire 1 au niveau AS, LW0 c'est celui-là, le fil vert, le fil jaune SW1 niveau 0 ou niveau L et niveau AS ou niveau 1. Il n'y a aucune variation, il appuie sur le bouton P0, il n'y a donc aucune action. La LED verte rouge, elle reste allumée, tandis que la LED verte est toujours éteinte. Vous observez que dans ce cas également, les entrées JK et CLOCK ne provoquent pas de changement de l'état des sorties. Avec ces essais, vous avez pu constater que les entrées set et reset forcent la bascule dans l'un de ces deux états possibles indépendamment des autres entrées. Mettez les deux interrupteurs SW2 et SW3 sur la position 1. Dans ce cas, les LED L0 et L1 s'allument toutes les deux. Cependant, cette condition n'est généralement ni utile ni recommandable. Commutez simultanément SW2 et SW3 sur la position 0, la bascule se portera à un état qui
qui dépendra de celle des deux entrées 7 et reset qui est restée en dernier sur la position 1. Mettez la bascule à l'état 0, de sorte que L0 soit éteinte et L1 allumée. Mettez SW3 un instant sur la position 1. Puis replacez-le à nouveau sur la position 0. Laissant SW2 et SW3 sur la position 0, commutez aussi SW0 et SW1 sur la position 0. Mettez SW0 sur la position 1 et J2 à l'état H. Laissez SW1 sur la position 0, K2 à l'état L et appuyez sur le bouton P0. Vous observez que L0 s'allume tandis que N1 s'éteint. Relâchez P0, L0 reste allumé. Mettez SW0 sur la position 0. J2 à l'état L et SW1 sur la position 1. K2 à l'état H. Enfoncez puis relâchez le bouton P0. Vous constatez que L0 s'éteint tandis que L1 s'allume.
Vous voyez donc, les parasites provoquent un tout petit peu un dysfonctionnement. Commutez maintenant LW0 sur la position 1 de cette manière, J2 et K2 se trouvent au niveau As. Appuyez sur P0, L0 s'allume et N1 s'éteint. L0, c'est la LED verte et L1, c'est la LED rouge. Elle s'éteint. Je relâche le bouton poussoir. La LED rouge s'allume. Relâchez puis appuyez de nouveau sur P0. L0 s'éteint et L1 s'allume. Relâchez puis appuyez de nouveau sur P0, L0 s'éteint et L1 s'allume. En continuant à enfoncer et relâcher P0, vous constatez chaque fois un changement d'état en sortie. On peut donc conclure que lorsque les entrées J et K sont toutes les deux au niveau As, J, c'est le fil vert, et K, c'est le fil jaune. La bascule change d'état chaque fois qu'une impulsion positive se présente sur l'entrée clock. L'impulsion positive directement sur l'entrée clock. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une transition du niveau L au niveau As. Alors, c'est le front montant, je pense que vous le voyez ici, c'est à l'emplacement de mon crayon noir. Le niveau L, c'est en bas et le niveau As, c'est en haut. Les résultats des essais réalisés sont indiqués sur le schéma électrique où est reportée la table de fonctionnement de la bascule en question. Cette table-là, la table de fonctionnement. Rappelez-vous que dans cette table, le symbole X signifie état indifférent, tandis que la flèche avec la pointe orientée vers le haut
représente une transition du signal d'horloge du niveau L vers le niveau As. Les lettres S et R indiquent respectivement les entrées SET et RESET. En conclusion, le fonctionnement de la bascule Zika maître-esclave peut se résumer ainsi. Les deux entrées SET et RESET doivent être au niveau L pour obtenir le fonctionnement normal de la bascule avec le signal d'horloge. Si l'entrée J et l'entrée K sont toutes les deux à l'état L, il ne se produit aucun changement d'état à la sortie quand une transition positive se présente sur l'entrée clock. C'est-à-dire que si toutes les deux sont à l'état, donc je veux dire que si toutes les deux ici sont à l'état L, c'est-à-dire code binaire 0, je peux appuyer sur le bouton P0, vous voyez, il n'y a aucun changement d'état puisque j'envoie uniquement que des codes binaires 0. On peut bien sûr allumer soit la LED verte ou l'éteindre manuellement avec les fils J et K, donc le fil vert et jaune. Voilà. Donc là, en principe, il y a basculement. Voilà. Si l'entrée J est à l'état As et l'entrée K à l'état L, la bascule passe ou reste si elle y est déjà à l'état 1, sortie Q au niveau As et sortie Q bar au niveau L, quand une transition positive est appliquée sur l'entrée clock. Il faut que J et K soient au niveau As, c'est-à-dire code binaire 1, pour que la LED verte s'allume, ou qu'il y ait un basculement entre la LED rouge et la LED verte. Je relâche le bouton. La LED rouge s'allume. Vous voyez donc l'effet de parasite, là, lorsque j'approche mon doigt à côté des fils, donc j'envoie du statique vers le circuit intégré CMOS. Si l'entrée J et l'entrée K sont toutes les deux à l'état As
La bascule change d'état. Chaque fois qu'une transition positive de niveau est appliquée sur l'entrée clock. Dans ce cas, on dit que la bascule fonctionne en mode T, c'est-à-dire tacle. Ce mode de fonctionnement est à la base de beaucoup de types de systèmes électroniques, des comptages, comme vous le verrez par la suite. Le mode toggle, ça veut dire divisé par deux, on verra ça par la suite. Si l'entrée 7 est au niveau As, l'entrée reset au niveau L, la bascule passe immédiatement à l'état 1, Q au niveau As et Q bar au niveau L, sans qu'une impulsion positive d'horloge soit nécessaire. Il faut faire plusieurs fois la manipulation pour bien comprendre. Vous voyez, donc je déplace le K, c'est-à-dire le fil jaune. Je mets à l'état As, code binaire 1. La LED rouge s'allume. Je mets le fil vert à l'état 0, code binaire 0, bien sûr. La LED rouge reste allumée, mais si je déplace les deux en même temps et que je déplace le jaune, enfin le couleur, excusez-moi, la couleur verte, la LED verte est allumée. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin de bouton poussoir dans ce cas-là. Mais le bouton poussoir P0 est très utile pour faire basculer les sorties Q et Q bar. Donc la LED, soit que la LED rouge s'allume, soit que la LED verte s'éteint. Si l'entrée reset est au niveau As et l'entrée 7 au niveau L, la bascule passe immédiatement à l'état 0, Q au niveau L et Q bar au niveau As, sans qu'une impulsion positive d'horloge soit nécessaire. Si les entrées 7 et reset sont toutes les deux au niveau As, les deux entrées Q et Q bar passent immédiatement à l'état 1. Cette condition doit cependant être évitée, c'est-à-dire celle-ci.
Là, vous voyez donc les deux LED s'allument. Donc cette condition est à éviter. Nous répétons, pour un fonctionnement normal de la bascule, le signal d'horloge doit être exempt de parasites et caractérisé par un temps de transition du niveau L au niveau H inférieur à 5 microsecondes, comme par exemple celui obtenu en agissant sur le bouton P0, contact P0, front montant sur le groupe de connecteurs ou du breakboard. Le fonctionnement décrit ci-dessus, relative au circuit intégré examiné, est aussi celui de n'importe quelle bascule de type Zika. Cependant, il se peut que les entrées 7 et reset, au lieu d'être actives au niveau H, le soient au niveau L. Cela signifie que ces deux entrées doivent être maintenues au niveau H pour un fonctionnement de la bascule avec le signal d'horloge. Cependant, lorsqu'on veut positionner la bascule indépendamment du signal d'horloge, l'entrée 7 ou l'entrée reset doit être portée au niveau L. C'est-à-dire ces deux-là, le fil bleu foncé et le fil orange au niveau L, pour qu'il y ait un changement de bascule, un changement pour que la bascule fonctionne correctement. Voilà, et on porte l'autre au niveau 1. Voilà, donc là il y a eu donc un changement. À l'inverse, voilà, donc je remets mon schéma et l'autre fil, on va le mettre sur le code binaire 1, c'est-à-dire au niveau H. Vous voyez donc il y a basculement sans que je puisse appuyer sur le bouton P0. Dans ce cas, un petit cercle signe d'inversion est placé sur les deux entrées set et reset dans le schéma représentant la bascule. C'est-à-dire une bulle, mais là, il n'y a pas de bulle puisque c'est une bascule classique. Il existe aussi des bascules nécessitant une transition négative d'horloge, c'est-à-dire un signal allant du niveau H au niveau L. Dans ce cas également, un petit cercle est reporté sur la borne d'entrée clock dans le schéma ou sur le schéma. Si donc il y a donc un petit cercle, mais là c'est pas notre cas. Le cercle, ça indique l'inversion. La bascule Zika est certainement plus souple d'emploi que la bascule D et présente par rapport à cette dernière quelques caractéristiques qui la rendent irremplaçable dans certaines applications. Dans les autres cas, la bascule D est souvent préférée car ayant une seule entrée D,
Son emploi réduit la complexité des systèmes. De plus, cette bascule D a l'avantage d'être un peu plus économique et de consommer moins d'énergie que la bascule JK. Dans la prochaine pratique, vous examinerez d'autres types de circuits et vous poursuivrez les expériences avec des circuits de plus en plus complexes. Nous espérons que nous étions clairs à vous expliquer. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut absolument faire plusieurs fois l'expérience, et je vous invite de le faire. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Nous mettons ici au niveau As, voilà, ou les deux là. Au niveau As, pour que vous puissiez voir l'effet parasite sur la LED verte, elle clignote. Je retire mon doigt, et pourtant je n'ai pas mis de capteur. Et je mets mon doigt à proximité du circuit intégré ou à proximité des fils électriques. Il faut savoir qu'un corps humain envoie du statique. Et la LED verte s'allume automatiquement. C'est pourquoi que nous mettons souvent, même très souvent, un condensateur électrolytique sur chaque circuit intégré au tantale. Donc je répète, un circuit intégré et un condensateur électrolytique au tantale sur chaque circuit intégré. Voilà. Je me répète, mais je tenais quand même à le signaler au passage afin que vous puissiez comprendre. Il faut savoir que c'est un circuit CMOS, hein. Donc ça veut dire complémentaire métal oxyde semi-conducteur. Sur ce, à bientôt et bonne fin de soirée.